Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là, on est sur Call of Duty Cold War, sur la campagne, vidéo numéro 2. Donc on va continuer la mission de la dernière fois. Je recommande vivement d'essayer de le capturer. Ok, utilisez l'épreuve, ok, d'accord. Donc là, ce qui se passe, c'est que si vous voulez regarder la vidéo numéro 1, vous cliquez sur le lien juste au-dessus, hop, et il y aura la vidéo numéro 1. Et là, on va devoir aller directement sur la mission numéro 2. Donc la mission numéro 1, c'était le Vietnam. Là, on va sur une nouvelle mission. Hop, c'est parti, on lance, on démarre la mission. Donc là, on va devoir trouver cette personne-là et essayer de prendre soit des informations, on verra bien. Volkov dirige la mafia russe qui a rejoint Berlin-Est à la construction du mur en 61. Ce type a des contacts avec des cartels dans toute l'Europe et aux Amériques. En le neutralisant, non seulement on frappe Perseus, mais aussi toute l'organisation. C'est un grand ponte. Et voilà notre gypsy, Franz Kraus. D'après le MI6, c'est l'un des informateurs de Volkov. Il doit d'ailleurs lui livrer des renseignements demain soir. On va infiltrer Berlin-Est par le métro. Une station abandonnée de l'autre côté du mur donne sur un point d'accès. De là, on attend que Kraus entre dans la ville. Quand Volkov se pointe, on le capture ou on le tue. Ok, donc là c'est bon, on est parti. Donc on doit soit le capturer, soit le tuer. On a soit l'un ou soit l'autre, on va devoir faire attention. Donc là on attend le chargement. Ok, le mur. 1981, j'avais un an. Berlin-Est. On vient de passer sur le mur pour entrer à Berlin-Est. Ok. Tenez-vous prêts. Adler, le wagon arrière est vide. On peut y aller. Le gars il fume dans un métro normal, il crasse ses cigarettes par terre. Dès que le train ralentit, toi et moi on saute. Park, Lazar, vous descendez après. Ben et moi on suivra Kraus. Allez. Okay. Le train ralenti, c'est à nous de jouer. Là, on doit sauter. Allez, c'est parti. Prudence, les gardes est-allemands patrouillent encore dans ces vieilles stations. Patrouille-toi devant. On peut se servir du train pour couvrir notre approche. MP5 au cas où, suis-moi, la sortie est là. On va rentrer. Hey, merde, oh là là. Il faut user. Je suis cheminot. Je vais vous montrer mes papiers. C'est une zone interdite. Vous êtes en état d'arrestation. À terre. Stop, stop, stop. Prends là. Un peu de cap. Maintenant. Qu'est-ce que... Bien joué, on cache les corps. Porter le corps, c'est carré, faut faire. Si ouais, je vais jeter là-bas, on sait jamais. Il suffit que je jette au mauvais endroit. Kraus devrait bientôt atteindre le poste frontière. Faut qu'on monte sur le toit. Je suis mort. Lazar, on est presque en position. Ça, bien reçu. On va monter sur le toit, donc on monte. Allez, par là. Gaffe au projecteur.
Je te suis. Ils font pas les choses à moitié, faut le reconnaître. Ah, j'ai eu peur, je vais faire les continuer. Surveille bien le poste frontière. Kraus ne devrait plus trop tarder maintenant. Cherche Kraus avec l'appareil. Wow. Merde! La sécurité a encore été renforcée. S'il s'arrête Kraus, il va rater son rendez-vous avec Volkov. C'est qui ça? Bien joué, c'est bien lui. C'est Kraus. J'ai pris trois photos, t'as où? Suis-moi. Kraus vient de traverser. Vous en êtes où? Allez, c'est la partie. Lazare et moi, on attend votre arrivée au point d'exfiltration. Bien sûr. Selon nos sources, Kraus et Volkov se retrouveront dans le bar, juste en face. Le contact d'Hudson t'attend dedans. Elle a un parapluie bleu. Ok. Je reste là pour surveiller la rue. Je trouve quelqu'un qui a un parapluie bleu. Ok, le bar il est là. Donc j'appuie sur le pavé central. Ça me dit où il est en fait. Ok, hop, ouvrir. Parapluie bleu. Est-ce que t'as un parapluie bleu? Non. Mais un parapluie, mais il est rose. Ah, là, parapluie bleu. Je l'ai trouvé. Bonjour madame. Enfin, je suis ravie de vous voir. Kraus est à la table derrière mon épaule droite. Ok, il est là. Bonsoir monsieur. Ça c'est du paquet de cigarettes ça. Berliner Weiss, s'il vous plaît. Je vous reçois 5 sur 5. On attend Volkov maintenant. Hudson ne m'a pas dit grand chose. C'est bien Volkov que vous voulez? Ce type est un vrai fantôme. Combien de temps restera-t-il? On ne sait pas. Ok, d'accord. Que ce soit pour vous, Stasi. Mais ne vous laissez pas duper par son apparence. C'est un vrai tueur. Ok. La police sortit de grand jeu. L'un de mes informateurs s'est fait prendre de leur main contrôle. Ils l'ont arrêté pas très loin d'ici. La Stasi doit sûrement s'attendre à en trouver d'autres. Ok. J'ai une faveur à vous demander. Il ne tiendra pas longtemps sous la torture. Vous devez le sauver. Ou le faire taire. Il le retient. Ok, soit je dois l'aider, soit je dois le tuer. Ok, d'accord. Dankeschön. Sauver l'informateur. Regarde, Belle, je crois que Volkov arrive. Où est Volkov? Vous avez été suivi. Partez immédiatement et attendez notre appel. Nous serons à nouveau rendez-vous. Belle, ça sent pas bon. Deux types de la Stasi viennent d'entrer. Viens pas de là, mais... Scheiße. Passez par les toilettes. Je vais les revenir. Bon, on change. Rendez-vous devant chez Kraus. Il finira par nous mener à Volkov. Ok. Cachez-vous, évitez pour vous faire repérer les ennemis en avant de l'alerte. Ok, d'accord. Je vais mettre plus longtemps que prévu. Ok. Pour acheter la cellule, qu'est-ce qu'on doit faire? Ok, d'accord, ça marche. Fais gaffe, Ben. La Stasi est partout. Il est parti. Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Ok, lui s'est caché déjà. Je sais pas pourquoi, mais il se cache. Rejoins-moi dans le bâtiment en face de ta position actuelle.
pas remarqué. On a déjà assez de problèmes. Ah, utiliser l'appareil photo pour marquer les ennemis, c'est ça? Ah oui, il y a l'informe. Ah oui, ok, quand j'ai pris des photos, ça me donne la... C'est bizarre. Donc il faut que je vais pas informateur. Ok, d'accord, on va essayer de passer par ici. Là. On va voir. Si j'arrive à passer par là, ce serait pas mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh. Oh. Park, au rapport. Je suis devant une boutique en face de chez Kraus. Il vient de rentrer. Et toi? La Stasi fouille la zone. Je fais profil bas. Je rejoins tes clés. Ben, rejoins Park et Lazare au plus vite. Terminé. C'est ça le papier 732. Là. Il y avait mis un papier et marqué 732. Direct, lui. Ils sont à votre hausse. Lui ça va, mais lui c'est... On va manger. Ok, d'accord. Donc il y avait trois personnes. Que se passe-t-il? Je comprends pas, j'étais en train de surveiller une des planques du KGB et je... Je sais pas ce qui m'a trahi, j'ai... Tout fait dans la... J'ai tout fait dans les règles. Ok. Merci de m'avoir sauvé la vie. On va pas te tuer. J'espère que tout ira bien. Je vais pas te tuer. Ok. Allez-y. Je regarde s'il y a des trucs quand même. Ça va. Au cas où. On a des munitions, on va charger. Il n'y a rien ici. Je fouille quand même, on sait jamais. Non, bon, c'est... Donc là, on va rigoler parce que là, je dois sortir. Donc je vais fermer la porte. Il faut que j'arrive à passer sans caper, c'est le nouveau aussi. Là, j'arrive à passer. Là, je peux passer par là. J'ai un gars juste ici. Donc là, je dois aller là-bas. Comme il dirait Shizen. Ouf, je me suis à passer. Lazare, ok d'accord. Bien joué. Je crois que tu t'es pas fait repérer. Par ici. C'était short quand même. Doucement. Normalement, je suis pas trop infiltration. Donc dans la logique, j'aurais dû déjà me faire voir. Ok, c'est bon. J'ai quand même assuré là-dessus. Ferme les portes, monsieur. Il fait froid. Parquez dans le magasin d'électronique directement en face de chez Kraus. Ok, donc. Et lui rapporter une knackwurst de chez Brunbar, mais c'est déjà fermé. Parquez là, droit devant. Donc. Ah, c'est lui qui doit ouvrir la porte, ok. Par contre, c'est lui, je ne prends pas à fermer les portes. On est là. Une voiture s'est arrêtée devant chez Kraus il y a quelques minutes, mais je ne pouvais rien voir. Juste une seconde. Kraus est au téléphone. Ben, surveille bien Kraus. Ok. À quoi tu penses, Lazare? On dirait que Volkov veut la mallette de Kraus. On devrait y mettre un tracker. Elle nous conduira droit à Volkov. L'un de nous peut s'infiltrer chez Kraus. Le plus dur, ce sera de les éviter, sa femme et lui.
Belle et volontaire. Pendant ce temps-là, je vais m'assurer qu'aucun invité surprise ne cache la fête. Park, tu restes ici pour surveiller. Je te ferai profiter de mon profil. Charmant. La Stasi arrête tout le monde. Fais attention. Ok, on va y aller direct. On va pas courir par contre. Belle, j'ai vu Kraus écrire dans un registre. Essaye de le trouver. Belle, si Kraus ou sa femme te repère, la mission est foutue. Tu peux neutraliser sa femme si c'est nécessaire, mais Kraus doit aller au rendez-vous. Je vais téléphoner chez Kraus. Prépare-toi à entrer. Ah, il faut que ça... Dès que ça tremble, on reste dessus. Voilà, c'est projeté. Bien joué. Maintenant, trouve la mallette. Allô ? Désolé, mais il n'y a pas de signal ici. Écoutez, votre amie ne se trouve pas ici. Soit elle vous a donné un faux numéro, soit vous l'avez mal noté. Bien sûr, aucun problème. Et bonne soirée à vous aussi. Ok, donc là, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'arrive à... Ah, j'ai l'arme, ok, d'accord. Mais si je la tue, ça va pas le faire aussi. Elle est où, elle? Dans la cuisine. Est-ce que je peux toi? Eda, tu sais où est mon parapluie? Je dois partir dans quelques minutes. Oui, Franz. Il est ici, dans le salon. Je te le mets devant la porte. Maman, j'ai perdu ma couverture. Papa, j'arrive dans deux minutes, William. Mince, on a raté le gamin. Kraus sort de son bureau. Cache-toi. Cache-toi les dents. Kraus ne doit pas te voir. Le mec, il descend l'escalier. Mingo. Il a descendu l'escalier, donc on est bon. Son bureau, il est là. J'ai fini, maman. J'ai perdu le visuel sur Kraus chaque fois qu'il est entré dans cette pièce. Fouille partout. J'hésite. Là. Tu n'as plus beaucoup de temps. Trouve la mallette. Bah, je l'ai bien trouvé, mais bon, j'ai trouvé ça. Là-dessus. Là, il y a des mains. Ah, interrupteur. Ah, il y a un timing. Ok, si je fais ça et ça. Ouf. Je ne t'ai plus en visuel. Ok, la mallette elle est là. En fait, elle m'a parlé d'un truc à faire. Belle, tu as trouvé la mallette? Ah, repose-toi dans son amont nucléaire. Compris. Installe le tracker et sors de là. Au secours! Au secours! À l'aide! Au secours! Au secours! Oh! Ok. Alors, est-ce que ça fait partie de la mission ou pas? Ça, je sais pas. Mais il m'a déglingué. Voilà, moi, ça fait partie de la mission. Ok, d'accord. Vous l'avez laissé entrer en douce dans votre appart. Je serais incapable de vous expliquer comment il s'y est pris. Mais je voulais... Un cadeau qui pourrait bien rattraper votre erreur. Perseus recherche cette personne depuis longtemps. Vous direz à Perseus que je l'ai capturé. Nous avons Greta Keller, aussi. C'est son propre collègue qui l'a dénoncé. J'aurais ta peau. Ah merde, j'aurais dû le tuer alors. Désolé, Greta. Il faut avouer que le KGB paye bien. J'aurais dû le tuer. Enfin,
toute façon, je sais pas si je l'aurais tué, ça aurait changé quelque chose. Mais j'aurais dû le tuer. Perseus a mis une belle prime sur votre tête. Bon, on va te faire foutre. Hein. On verra bien ce qu'elle dit. Hein. Elle a eu de la chance. Votre mort risque d'être plus lente. On recommence. Pour qui travaillez-vous ? Intéressant. Et qu'est-ce qui me vaut cette soudaine attention de votre part ? Vous pensiez vous en sortir ? Vous croyez que c'est une mort digne qui vous attend ici ? Au vu de votre état, il vaut mieux abréger vos souffrances. Hop là, au-dessus, au-dessus, au-dessus. C'est quoi ces conneries ? Help me! Aide-moi! Ouvre le coffre! Avant de venger! Parce que j'ai voulu faire un. J'ai voulu appuyer sur R3 pour prendre comme bouclier, mais j'ai pas eu le temps. Je suis passé à côté en fait. C'est pas. Allez, on est reparti. Ah ok, ouais, c'est un gars. Boum. On va essayer de monter en haut. Capturer. Enfin. Belle, au nom du MI6. Merci. On tient Volkov. Il s'en sort trop bien. Foutons le camp de Berlaris maintenant. Ok, donc on a réussi à le capturer. On est bon. Les informations de Volkov confirment nos pires craintes. Perseus a fait transiter une tête nucléaire à Berlaris. On ne peut pas en être certain. Il l'a, c'est certain. On a trouvé des coordonnées cryptées avec les infos de Volkov. Celles d'une zone inhabitée de la République soviétique d'Ukraine. Le survol du SR-71 a révélé ceci. Je veux qu'on me tienne au courant de tout ce qui se passe dans ce bâtiment. On aura besoin des autres. Woods et Mason nous rejoindront de Kiev. Belle, tu vas t'infiltrer avec Woods. Mason et moi, on s'occupera de l'extraction. Parc des communications. On n'a aucune idée de leur nombre ni de leur niveau d'entraînement. Alors restez discrets si vous devez combattre. Il est temps de jeter un œil derrière le rideau de fer. Ok, c'est bon, on y va. Bien reçu, Park. Tu gères les communications. Dis à Mason et Adler d'attendre. Une hache. On y va.
Un sniper ? Ok, d'accord. Une hache et un sniper, j'ai. Oh non, j'ai un pistolet. La base se trouve juste après cette colline. Infiltrez-vous. Découvrez ce que vous pouvez et sortez de là. Merde, Park. Je pensais rester un moment, visiter le goulag. Tu feras ça une fois qu'on saura ce que prépare Perseus. Regarde-moi ça. Ouf. Je me demande ce que les rouges cachent à l'intérieur. Prends une photo. Les services secrets seront intéressés. Bon, il est temps de se salir. Je vois des gardes en haut et en bas. Choisis ta cible. En haut. T'as appris à tirer comme ça. Tu vas pouvoir descendre. Je te couvre d'ici. Prends des photos de tout ce qui peut être important. Cartes, plans, tout ce que tu trouveras. Ah, ça va, elle nous donne des informations pour prendre une photo, pardon. Ok, 1 sur 6. Donc j'ai des trucs à collecter. Tu veux passer là-bas. C'est de voir si on arrive à passer par ici même. Ça risquerait d'être un peu plus compliqué. Si je tire une balle d'ici, peut-être avec le sniper, mais j'espère qu'on l'entend. Ok, ça va. On va entendre. Les rouges sont tranquilles pour l'instant. Mais je n'ai toujours pas de nouvelles de Woods. Continue comme ça jusqu'à l'intérieur. Ok, j'ai réussi à rentrer. Le but, c'est d'aller là-bas. Faut vraiment faire attention. Proche. Quoi? C'est quoi cette blague? Pas mal l'action. T'as perdu quelque chose. Park, Belle a trouvé un accès. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Alors en avant. J'ai rien de mieux à ajouter. Ah, j'essaie de regarder s'il n'y a pas de photo à prendre là, parce que là. Ah, peut-être, non. Non, il n'y a pas de photo à prendre. Décarre en bas et je vais en contrebas et j'attaque à ton signal. C'est dégagé, j'avance. Alors que je dois avancer ou je dois rester là? Regardez, hein, est-ce que peut-être des trucs là, voilà. Ah, t'as trouvé un autre secteur. Merde, cet endroit a été construit pour servir de système d'alerte contre les missiles. Ok. Pour le moment, je suis ok. Prudence, il y a peut-être une armée de cocos derrière cette porte.
J'en profite pour regarder à droite à gauche. Couvre-moi. Il me faut le gars. Pas un mot là-dessus. C'est un peu bizarre. On dirait une ville. C'est quoi ces trous? C'est un terrain d'entraînement des Spetsnaz. Et ça pourrait correspondre à n'importe quelle ville américaine. Merde, il commence. Merde, on se casse. S'ils veulent un exercice en situation, ils vont être servis. Je regarde. Mais non, il s'est mis dans mon tir. Pourquoi tu t'es mis dans mon tir? S'ils veulent un exercice en situation, ils vont être servis. Non. Ça va aller, ça va aller. Tir allié n'est pas toléré, bah ouais, je sais. C'est juste qu'il reste à côté de ma grenade. S'ils veulent un exercice en situation, ils vont être servis. Non, non. Voilà. En vérité, j'ai voulu tirer entre les deux, mais on peut pas tirer. Il faut absolument que je me lève. Hein. N'importe quoi. Ok. Ils vont être servis. Là, je fais n'importe quoi. On va faire là, hop, voilà. Je lance une grenade. Il est où? Passe pas devant. Oh merde, je fais tuer mon pote. On approche. Je vais me mettre à couvert.
Cet ascenseur mène directement à la tour de contrôle. Grenade. Ouf. Oh, dégage, dégage. Costaud là, il est mort aussi. Je sais même pas où il est. Bon, j'essaie de récupérer un peu toutes les munitions. Voilà, activer l'ascenseur. Je capte de nombreuses communications radio. Quelle est la situation? On s'est retrouvé en plein exercice. L'endroit grouille de rouge. On cherche toujours des renseignements. Bordel. Je demande à Mason et Adler de se tenir prêts pour l'extraction. Elle a l'air furax, tu trouves pas? On dirait leur centre de commandement. Par ici, jackpot, l'ordinateur central. Voyons ce que les rouges nous réservent. Belle, viens sur ce terminal. J'ai pas le temps de regarder s'il y avait des trucs tout autour aussi. Bienvenue dans les archives d'analyse de combat du peuple soviétique. Statistiques de combat urbain, mise à jour KGB. Ouais. Statistiques de combat urbain stratégique, accès restreint. On s'en fout de ça. Cherche encore. Rapport quotidien du KGB. Accès restreint. Oh, ma grande passion. Y'a rien d'autre? Opération Greenlight. Accès restreint. C'est quoi ça, l'opération Greenlight? Belle, tu peux pirater ça? Évidemment, il y a un mot de passe. Fouille la zone. Les rouges sont jamais très malins. Y'a peut-être un indice sur le bureau. Joli. Ouais, je sais pas, ça c'est marqué, mais bon. C'est confirmé. La bombe qui a quitté Berlin vient du programme Greenlight. C'est l'une des nôtres. Si ça s'ébruite, personne n'en saura rien, pas même l'équipe Adler. Les enjeux sont trop importants. C'est un euphémisme. On parle d'une bombe nucléaire américaine cachée dans les sous-sols de Berlin. Ok, donc là on parle de la bombe. Enregistrement numéro 2. De ton engagement, Hudson. Les dés sont jetés. Le plan est en marche. Si notre élément découvre la vérité, c'est maintenant que tu t'inquiètes de la vérité. Je m'inquiète de pouvoir contrôler cet élément. Si on ne peut pas contrôler l'élément, on l'élimine. Fin de l'histoire. Ok, et le dernier? Je prends une copie. On l'a imprimé. Perseus a infiltré un programme nucléaire de la CIA, nom de code Opération Greenlight, dirigé par Hudson. La tête nucléaire volée est américaine, et Hudson était au courant. Oh. Merde, au fond de camp. Je vais lâcher. J'arrive pas à y croire, putain. Park, réponds. Hudson nous a menti. Cet enfoiré nous a menti. Woods, de quoi tu parles? Je te parle de Greenlight. C'est ce que cherche Perseus. Et Hudson sait exactement de quoi il s'agit. Woods, je t'entends mal. Foutez le camp de là. Oh. Ah, 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 ah. L'indé va nous massacrer. Attends-toi derrière le camp. Oh, il nous charge là. Cours. Droit devant, j'essaie de tout tirer. Granada!
Et avance. Et bloque la sortie. On va devoir se frayer un chemin. Les gars, faut type en armure. Il a l'air coriace. Lui est mort. On se fait contourner. Allez. On doit aller où? On doit aller là-dedans. Est-ce que je peux passer de par là? Ouais. Allez, monte. À sortir. Belle, où vous en êtes? Rassemble tout le monde, Park. Toute l'équipe. Hudson va devoir nous expliquer un paquet de trucs. C'était un bordel. C'était un bordel. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Oui, je m'en occupe. Greenlight et t'as rien dit! Qu'est-ce que tu nous caches d'autre? Je peux peut-être te faire cracher le morceau! Je te le déconseille, Woods. Que tout le monde se calme. C'est pas en vous hurlant dessus qu'on va trouver Perseus. Pourquoi avoir caché que c'était une bombe américaine? Il avait besoin de nous pour nettoyer sa merde! Cet enfoiré nous ment à tous depuis le début! J'ai pas menti. J'ai omis quelques faits. C'est ton grand truc, pas vrai, Hudson? Manipuler les gens, arranger la vérité à ta sauce. Y a pas de vérité. Tu choisis de croire qui tu veux. Adler en sait quelque chose. Pas vrai, Russ? L'opération Greenlight. C'est quoi? Raconte-nous tout. En 58, la course aux armements battait son plein. Eisenhower pensait que si les Rouges envahissaient l'Europe, on ne pourrait pas riposter. D'où la fameuse opération Greenlight. Un programme top secret qui consistait à placer une bombe nucléaire dans chaque grande ville européenne. La
contre-mesure ultime à l'invasion soviétique. En 1974, elles ont fait place à de puissantes bombes à neutrons, capables d'exterminer la population sans endommager les infrastructures. Des milliers de morts d'un coup. Et toi, tu nous parles de putain d'infrastructures ? On voit où sont les priorités. On tue les gens, mais on sauve les bâtiments. Le but, c'est de préserver notre mode de vie. Depuis quand tu sais pour la bombe manquante ? Une des bombes a été désactivée il y a 8 semaines. On soupçonnait Perseus, mais sans avoir de preuves. Jusqu'à ce qu'on voit les photos rapportées de Berlin-Est. Donc, on a une bombe nucléaire américaine disparue. Et quand Perseus la fera sauter, les États-Unis deviendront l'ennemi mondial numéro 1. On n'en serait pas là aujourd'hui si t'avais fait ton boulot et tué Perseus au Vietnam. La prochaine fois, Hudson, je laisserai faire Woods. Il a déglingué. À savoir que si vous voyez qu'il y a un bug sur la vidéo un petit peu avant, c'est pas YouTube qui fait ça, c'est pas ma vidéo en lui-même, c'est la play qui a bugué en vérité, je sais pas pourquoi, et donc ça a repris un petit peu après. Le Yamantau. Je pensais que Hudson et Weaver avaient enterré cet endroit depuis des années. C'est le cas. Perseus veut récupérer l'ordinateur central. Dragovic et Steiner ont sûrement dû laisser des trucs sympas. Envoie Woods et moi. T'es trop impliqué, Mason. On n'a pas le droit à la moindre erreur. Connerie. Tu sais que personne d'autre peut faire ce boulot. C'est moi qui choisis. Et je veux Mason et Woods. Trouvez l'ordinateur central avant Perseus. Je vais contacter Belikov, notre agent au KGB. Il nous aidera pour la logistique. À dire vrai, il vaudra peut-être même piloter l'hélico lui-même. Je sais pas ce que Perseus fait au Yamantau, mais je le veux plus. Ok, donc une guerre froide, CIA. Le premier bâtiment se trouve juste après cette crête. Merci Dimitri, on se recontacte quand on aura trouvé l'ordinateur. Woods, tu sais ce que le KGB fait aux agents doubles ? Non ? Da ! S'il gagne cette saison, je sourirai même au peloton d'exécution. Hé ! J'ai juste 1 heure de carburant. Après ça, tu devras te trouver un autre taxi. On se met en route, Mason. Ok, donc là, on va mettre sur pause. On va terminer la vidéo numéro 2 et on fera une vidéo numéro 3 pour continuer. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager, petit pouce bleu. Et je vous dis, dans la dernière cinématique, s'il y a des bugs, ça, c'est pas YouTube, c'est pas mon encodeur, en vérité, mon logiciel, c'est la PlayStation qui a carrément bugué comme ça, et après à un moment c'est revenu. Donc je ne peux pas modifier, puisque à chaque fois j'ai réessayé quand même de refaire la vidéo, et à chaque fois ça bug au moment. Donc on laissera comme ça, je pourrais pas faire autrement. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là, ciao ciao, c'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là, donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous, et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez 2 vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche, mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos, donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie, bonne journée.